À toutes et à tous, on se continue cette magnifique campagne de Langmar où je dois attaquer Karndoum, je crois. Oh, mon petit chat, mon petit chat, tu veux dire bonjour? Ça tombe bien, je viens de lancer une vidéo. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Hein, tu veux pas dire bonjour? Bon bah viens pas dire bonjour alors. Alors on va faire end phase et là normalement voilà, nous allons attaquer Karndoum. Karndoum est évidemment défendu par une garnison de d'elfes de Rivendell. Ah non 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 dans l'histoire. Dans l'histoire d'Arnor, donc là effectivement tous les royaumes sont attaqués, tout le tralala, sauf que Karndoum est attaqué par l'Arnor et un contingent de Rivendell. Donc là c'est une grosse bataille qui va m'attendre, où je vais deux fois défendre cette zone. Hein. Donc il y a Malbeth qui a rejoint les forces d'Arnor et qui va également prédire la fameuse phrase pour le roi sorcier. Et c'est parti, real time, let's go. Alors je pense qu'il y aura d'autres héros. Hein. Dans mes souvenirs, il y a Elrond, il y a Glorfindel. Voilà, il y a du beau monde. Il y a du beau monde qui vont m'attaquer. Ça va être sympa. Ça va être très sympa. Complexe pour les sauvegardes. Ah mais il n'y en a pas. Comme ça au moins, il y a pas de problème, il n'y en a pas. Ou elles sont corrompues. C'est-à-dire que là, je peux pas sauvegarder. Si... Ah attends, please click reinforcement. Hein? Ah la bannière, ok pardon. Notre bâtisseur est tombé. Le combat a terrible seigneur. Terrible bientôt, seigneur. La forteresse de Karndoum sera prise par les elfes et les hommes. Ok. Stylé la petite cavalerie. À vos ordres. Rogash et les siens attendent que vous donniez le signal à l'ouest. Ils viendront dès l'activation du feu d'alarme. Vous faites chat des... Wow. Nos éclaireurs annoncent l'arrivée imminente de Glorfindel pour l'assaut final contre notre forteresse. Pas très Charlie tout ça, mon cher Sparta. Du coup, attendez, j'ai gagné des trucs d'XP. Oh merci, c'est gentil. Je vais récupérer mes petits XP. C'est parti. Je suis l'héritier du roi. Alors, oui, est-ce que t'es vraiment l'héritier? Je sais pas, mais... Le roi sorcier n'a quand même pas de nom, hein, c'est... On se disait ça, enfin... C'est avec Faustéa que... Le seul qui avait été nommé, c'était Camoul. Camoul l'Oriental. Et c'est vrai que niveau nom de méchant... pas très bien nommé. Oh! Oh, les guards... Oh, la cavalerie... De toute façon, la cavalerie sur Eden Mode est pétée. Quoi la faire? Faut que je fasse full ressources, là, ça va pas du tout, hein. Pour ressources, c'est tellement la crise que... Ah ouais, ils sont montés niveau 8 comme ça là. Hello, le jeu date de quand? Alors, le jeu Bataille pour la Terre du milieu 2, l'avènement du roi sorcier est sorti en 2005. Enfin, en tout cas, l'extension, mais le jeu est sorti en 2006. Ah non, non, oui, c'est à 2006 et l'extension 2007, pardon. C'est le 1 qui est sorti en 2004. Alors, attendez, on va essayer de récupérer un maximum de thunes. En fait, là, j'ai dépensé trop d'argent dans les améliorations. On va attendre. On va d'abord essayer d'avoir une écho assez stable. On stabilise notre écho et ensuite... Homme d'Angma. Ah oui, il faut que je récupère ça. Très important. Utiliser les poternes pour flanquer les ennemis. Ok. Alors, nous avons évidemment une forteresse. Et voilà, l'armée de l'Arnor composée de soldats... oh là, ils sont tellement stylés. On dirait les archers de la dernière alliance, là. Et du coup, je crois qu'on a Malbeth. Non, il n'y a pas Malbeth encore. Ou il est peut-être pas encore arrivé. Ça, c'est peut-être juste la première... J'ai l'impression qu'on a... On a deux Bobby assoiffés d'intelligence dans le chat qui viennent d'arriver. On va récupérer... Ah, mais on a deux outposts. Oh ouais, mais en plus, on a les renforts qui arrivent. C'est génial, ça. Ah, les elfes attaquent dans 30 secondes. Aïe, aïe. Oh, c'est quoi, ça? What? Des nightmares? What the fuck? On dirait des licornes. Enfin des... What the fuck? Oh punaise! Mais ils ont pris un démon de Eden Mode. Enfin de Dagor Dagorath. Wow! J'ai presque envie de rejouer à Dagor Dagorath là. Vous voyez ça? Ça c'est un démon de l'ancien temps évidemment. Hein. Et ça je pense que vous en avez jamais vu. Hein. Ça fait très longtemps en tout cas. Wow, ça va être incroyable cette mission en vrai. Je sais pas si c'est toi nous qui a fait ça, mais en tout cas, waouh. Attendez,
Tu veux pas rentrer, petit petit monstre en de mort? Ah, il veut... ah d'accord, il peut pas rentrer. Ok, il peut pas rentrer. Par contre, c'est trop chelou, ça. C'est quoi, des nightmares? Oh, c'était... Ah, c'est quoi, des nightmares? Dans le lore, là. J'en ai jamais vu, en vrai. C'est la première fois que je vois cette unité-là. Bon, on va les laisser rentrer. Et on va mettre notre 4 héros en mode guerrier à la porte. Ça me fait rire parce que les pouvoirs de L, c'est vraiment les pouvoirs de H dans League of Legends. Je m'appelle pas Bobby. Mais si, tu t'inquiètes, tu t'appelles Bobby maintenant. On va t'appeler Bobby. Tu fais partie des Bobby. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Et du coup, le démon, viens ici, le démon. Oh là là. Oh, le ressenti, il prend cher, hein. Wow, le roi sorcier! Oh, le roi sorcier qui a un HP. Attendez, parce que là c'est un peu tricky. C'est-à-dire que le roi sorcier est poursuivi par, par une armée. Attendez, on va essayer d'envoyer la cavalerie. C'est un peu compliqué là. Oh, la cavalerie! De quoi je suis en train de préparer la bite? Ah oui, déjà il y a cette unité là qui est un démon. Et sinon, les cette unité-là qui sont des Nightmares, une sorte de cavalier licorne. Alors, au sorcier qui est à l'intérieur, quoi. Bon, ce début de partie qui est un peu compliqué. On va pas se cacher. Comment ça, j'ai pas assez de ressources? Appel de la couronne de fer. Ah, attendez, on va replier lui. Ça me dit rien du tout. Oh, y a aucun souci, hein, c'est normal. C'est dead mode, hein, et ils vont chercher des choses incroyables un peu partout. Enfin, ils inventent, évidemment. Mais en vrai, c'est trop stylé, ça me rappelle tellement d'Agor d'Agorath. Oh non, le roi sorcier est mort! Oh non, par contre, ça c'est pas cool. Oh, il y a une seconde vague en plus qui arrive. Je suis pas prêt du tout. Hein. Attendez, moi j'étais pas préparé à la première vague déjà. Nous les affronterons. Mais je sais qu'à la solde de Melkor, il y a des esprits torturés, etc. Ouais, wow, mais ça doit être ça, hein. En tout cas, c'est cool, un petit esprit torturé. J'ai 60 points de pouvoir que j'ai pas utilisé encore. On va peut-être les prendre. J'ai 48 de pouvoir. Ah ouais, on se met bien. En plus, il a l'air tellement immortel. Et boum! Ouais, il a l'air vraiment très très fort, ce démon, hein. Je pense que ce démon-là, tu l'envoies tout seul et il gagne la bataille. Hein. Oh, il y a une autre vague qui arrive là. Des esprits maléfiques mis dans des créatures vivantes comme des loups. Ne crée pas, corrompt. C'est ça la strat. Hein. Je vous propose qu'on fasse full écho, hein, parce que il faut que je refasse mes héros et pour ça, il va falloir que je refasse de l'écho. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas pris cet emplacement. Ah, attendez. Ah, attendez, on va réfléchir un instant, on va envoyer eux ici. Ensuite, Homme d'Angmar, on va le laisser là. Les Gwarls, on va le laisser là. Lui, on va le mettre sur sa catapulte. Lui, on l'envoie, hein, l'espèce de Goliath là, le démon là, on l'envoie tout seul à la bataille. Mais ce qui est terrible, c'est qu'ils attaquent pas moi en fait. Je sais pas ce qu'ils attaquent en priorité. Oubliez vos peurs, vos chagrins. Est-ce que vous pensez que je peux les améliorer? Non, je peux pas les améliorer. Hein. Bon, en tout cas, cette bataille se déroule très très bien pour l'instant. Oh punaise, des catapultes. Eh ben parfait. Ça me rappelle Warcraft 3. Pourquoi? Les espèces de Goliath là? Oh non, j'aurais dû prendre ça, terrible. Donc là, il y a des catapultes qui vont maintenant attaquer mes terres. C'est drôle, à chaque fois, c'est un peu la même strat. Ils ont 4 catapultes. Oh no! Allez, envoyez tous les héros. Tac, tac, tac. On va essayer de mettre les Q-spells des héros en libre. Envoyez la bébête de guerre. Je répète, envoyez la bébête de guerre. Voilà, la bébête de guerre qui fait... qui perd pas de temps. Comment il va, le Seigneur D? Ah non, du coup, ils sont repartis. Nos flèches s'impatientent. La question. Tiens, je vais envoyer eux ici. Oh, mais attendez, j'avais pas vu. Il se débrouille très très bien, ce petit canard.
J'allais dire ce petit canasson, mais il est mort. Ah, moi j'y vais, hein, voilà, et pas le temps de niaiser, c'est moi qui les attaque d'abord. En vrai, j'aurais juste envoyé le Goliath et c'est beau, hein. Let's go! Et boum! Et boum! Pas besoin du roi sorcier! J'ai reçu la bête ultime! Et boum! Oh là là, je l'adore cette bête! Ah, y a un héros, y a un héros! Non? Oh là, il prend cher! Non, 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 il peut pas mourir, hein. Pas aujourd'hui! Hein. Oh là là, c'est terrible! C'est terrible ce qui se passe. C'est peut-être pas la meilleure idée de se battre ici en vrai. Hein. Du coup, les unités arrivent tout le temps. On va peut-être se replier un petit coup. On va peut-être se replier un petit coup. Du moins pour reprendre quelques unités. Oh non, il va mourir lui. Bon, au pire, s'il meurt, c'est pas grave, non? Il est pas important. Le plus important, c'est quand même le roi sorcier. On peut même pas le faire, quoi. Oh, c'est cheaté la cavalerie, c'est vrai. C'est vrai que c'est cheaté la cavalerie, j'avais oublié ce détail. Il va réussir à le tuer, non? Oh, il l'a pas tué, mais ça a été très très juste, quoi. Je crois que j'ai jamais joué à un RTS sans mettre des codes de triche. Ah ouais? Mais je crois que c'est le seul RTS où il n'y a pas de code de triche. C'est vrai, hein? Oui, il n'y a pas de code de triche hein, dans celui-là. Enfin, du moins, je sais pas comment on fait. Ah, j'ai plein de bâtisseurs. 4000, hein. 4000 quand même. Hein. Il coûte cher, le coco. Hein. Toi, t'as intérêt à reprendre de la vie. Hein. Ça commence à être juste, sinon. Sinon, on se replie au second niveau. Hein. Le temps de refaire une armée. Hein. Je suis pas pressé. J'attends les ordres du roi sorcier. Les gars, vous êtes plus Team Arwen ou Galadriel pour vos petites parties de gourmandise là. Oh mais et bannez-moi ces gens-là là. Y a pas des modos dans le chat là. Ils sont pas réveillés mes modos à cette heure-là là. Comment ça se fait qu'à 7h44 on arrive à avoir des trolls du matin quoi. Les trolls des Bobby là. Mais même Bobby est plus intelligent, il est plus malin. Alors ça a déjà été fait. Préparez-vous à bâtir. Préparez-vous à bâtir pour la couronne de fer. Bobby. C'est pas Dobby hein, c'est pas Dobby, c'est Bobby. Oh, ça suit pas dans le chat hein. Vous connaissez pas Bobby, c'est pour ça. Vous avez pas la culture. La culture de Bobby. Nous sommes prêts à frapper. Hop. Quoi, j'ai des elfes corrompus avec moi? Incroyable, regardez. Archer Dark Elf. Bon, ils sont pas très beaux, la texture est pas ouf. Pas ouf. Et j'avais pas vu en fait que j'avais des Dark Assassins. En fait, ce qui est arrivé, c'est vraiment que des elfes corrompus, quoi. J'ai vraiment une armée de corrompus. Il est où mon golem? Non. Ah, il est là. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il était mort. J'ai cru un instant qu'il était mort. C'est qui, Bobby? Mais c'est un troll, Bobby. Un troll des cavernes, des montagnes. C'est un troll, quoi. Et vous faites bien partie de cette catégorie, du coup. Dark Elves, c'est pas du tout des elfes corrompus, par contre. C'est quoi, alors? Gouvernons la forêt. Nous devons protéger ces bois. Dark Elven. Oui, ça vient pas du même univers, c'est ça que t'es en train de me dire? Ils ont rejeté des elfes... Bon allez, on va aller à leur rencontre, hein, parce que j'ai pas l'impression qu'ils vont venir vers moi. Allons gaiement en chantant. Mais oui, mais on fait que ça, de manquer de ressources, j'en peux plus, moi. Pourtant, j'ai pas l'impression d'acheter 300 000 choses. Bon, là, je viens de racheter 3 bâtiments, mais... Oh! C'est quoi, ça? En vrai, faut que je refasse des meutes de loups. C'était vachement fort. On va bien en refaire... Ah, mais j'ai pas l'impression... Ah oui, c'est là-dedans. Ah, mais ici, je peux refaire des roues, aussi. Je vais essayer d'en refaire. Je vais essayer d'en refaire un petit peu. D'accord, on va se mettre bien comme ça. Si, mais c'est comme ça sont appelés tous les elfes qui ont refusé de suivre, aller voir la lumière des arbres de Valinor. Ah, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Faustéa, t'as joué à Harry Potter. À Hogwarts Legacy.
Hogwarts Legacy, on l'a toujours pas fini. Toujours en cours. Nous sommes les hommes du roi. Ah mais du coup il reprend de la vie mon démon, incroyable. Par contre le script d'attaque il est complètement broken, hein. Il m'attaque plus du tout. Hein. Et je crois que c'est parce qu'il reste deux unités du truc d'avant. Est-ce que par hasard je pourrais pas refaire des catapultes? Oh oui je peux en refaire. Eh bah let's go en refaire en fait. Allez on va les pulvériser. J'ai carrément fait un bélier, ça n'a aucun sens. Je suis pas censé les assiéger, hein. Je suis juste censé les regarder de loin s'approcher de moi. Command, let's go, Team Toriel. Oh le Seigneur D, le pire. Seigneur D qui rentre dans leur jeu. Tac. Ah bah voilà, il a pris cher le petit mage. Lord Master of the Seas. Et il va se reprendre un petit caillou. Quoi? Oh non! T'es en train de prendre un maximum de dégâts là. Enfin je crois. Et là ils vont m'attaquer normalement. Ah là ils devraient m'attaquer. Oh là là, c'est quoi ça? Quoi? Ah c'est pas cool ça. Ah la cavalerie en plus c'est ultra relou. Ça c'est quoi? Oh! Oh punaise! C'est quand même ultra vénère ça. Je m'attendais pas à autant de puissance. Bon vous savez quoi, j'invoque tout hein, parce que j'ai... Voilà. C'est la guerre ou quoi? Oh non mon golem! Non! Ah ouais non mais là c'est la mort en fait. Là je suis en train de perdre mes héros, je perds mes unités. Bon c'est pas grave. Bah, on va gagner sans golem. On est bien arrivé là sans golem, donc tout est possible dans la vie. Mais elle est trop forte en vrai. Oh là 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 là, terrible. Nous nous battrons pour la couronne de fer. Alors attendez, est-ce qu'on peut faire la cavalerie avec eux? Ah, les fameux Dire Wolf. Ça, c'est les bonnes unités. Alors je propose qu'on replie quand même le reste. En espérant que j'arrive à me replier. Oh là, j'aurais vraiment pas dû attaquer. Hein. Après, je peux refaire le roi sorcier. Mais est-ce que le roi sorcier, c'est plus rentable qu'un golem? Absolument pas. Mais bon, on va tout refaire. Mais là, ils ont l'air ultra vénère, quoi. Salut Viper, comment ça va? Bon, une partie, non, ça dure pas 2 heures. Mais là, c'est la campagne, donc c'est différent. Il n'y a pas vraiment de... Et puis c'est la première fois que je fais cette mission donc sur ce mode, donc c'est totalement différent. Oh, c'est l'abus, la cavalerie. Hein. Faites attention aux pouilleux. Oh, ils ont l'air tellement énervés les elfes. Je crois qu'ils m'en veulent. L'Arnor aussi m'en veut. Non, repliez-vous. Essayez de vous sauver, là. Pouilleux. Eh ouais, hein. Ah, il me traite de pouilleux, le... Espèce de pouilleux. Ah, attendez. On va faire des loups-garous. À Langmar, c'est... C'est un maximum de tout, hein. Ah, mais n'hésitez pas à détruire les... Oh là là, mais... J'ai l'impression que je leur fais 0 dégâts, maintenant. Je suis curieux par rapport au tournoi BFM2. Oh, Viper est curieux. Bah écoute, ça va être original. Ça va être un FFA un peu classique, mais il y aura des choses originales sur la carte qui feront que peut-être les gens s'intéresseront au centre. Bon par contre là, t'es en train de me dire qu'on va pas réussir à détruire. Oh non, 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 non! Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a Zagrafor qui arrive avec une nouvelle armée. Ah, c'est bon. C'est bon, on est sauvé. Mais du coup, ils ont fait une brèche dans le mur. Du coup, est-ce qu'on n'irait pas au 3e palier, là? Du coup, là, ils vont rentrer, évidemment. Non, c'est pas drôle. Ah, ça va. Ils ont pas l'air de s'intéresser tout de suite à moi.
Le doublage me donne autant de rêves après 20 ans. D'ailleurs, merci à toi, Elroyer, pour permettre à notre nostalgie de faire ce kiff. Ah bah écoute, avec plaisir. Hein. Ici, on est là pour s'amuser, hein, dans un premier temps. Hein. Bon, est-ce qu'on s'amuse sur ce mode? Évidemment qu'on s'amuse. On rage beaucoup, mais... Non, là, je suis content parce qu'on a vu un démon, et ça, c'est cool. Allez, on fait une petite volée de flèche. Ah, c'est vrai que je peux changer ces trucs de glace. C'est-à-dire que je peux la mettre en mode glace. Oh! C'est trop stylé, ça! Ils vont détruire nos moulins! Je vous empêcherai de détruire mes moulins. Il y a encore une armée, encore, là. Du sel pour âger. Toujours du sel. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sel sur ce mode, hein. Ce sel est rempli de... Ce mode est rempli de sel, plutôt. Ah, le roi sorcier de retour. C'est vrai qu'il est mort un peu comme un caca. Sans être méchant. Bon, voilà. On peut pas faire autre chose. Terrible. Oh, mais la cavalerie est méchante, là. On va la défoncer, on va la défoncer. Non, 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 pas les mages. Mais non, mais ils viennent de réapparaître. Faut que je fasse des piquets. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas de piqué. Je n'ai pas de piqué. Mais normalement le roi sorcier va arriver, il va changer la donne, évidemment. C'est le boss. Oh! Oh, un pouvoir qui rapproche. Pas mal. Pas mal, je connaissais pas ce pouvoir là. Il est vraiment intéressant. Ça sera quoi au centre? Un drake géant qu'on devra tuer pour qu'il soit avec nous? Ah, ça c'est un peu classique. On la connaît celle-là, Viper, on la connaît, donc peut-être que j'ai pensé à autre chose. Non, en vrai, j'avais des idées de ouf, mais Toinou m'a un peu limité, j'ai l'impression. M'a un peu limité, mais bon, la map peut encore évoluer. Un loup-garou? Et oui, oui, oui. Langbar utilisait des bêtes féroces. Enfin, Langbar, en vrai, ils utilisaient... voilà, le roi sorcier avait une armée de tout, en fait. Beaucoup de bêtes sauvages, de trolls du nord, des orques de Gundabad. Salut, c'est un jeu genre Age of Empire. Ouais, mais en bien mieux. Ouais, en gros, c'est Age of Empire version Serenzano. Mais là, c'est pas représentatif du jeu. J'ai envie de dire, en fait, c'est plus représentatif du Bataille pour atteindre mieux 1. Où en fait les emplacements sont déjà prédéfinis et ensuite tu construis ce que tu veux. Voilà, par exemple, c'est un bâtiment que tu peux... Il y a des colonies sur la carte. Tu vas ici et ensuite tu peux construire des bâtiments supplémentaires. Oh punaise, le Glorfindel. Glorfindel le BG est dans la place. Avais-tu joué à Rise and Fall? Alors pas du tout. C'est vrai qu'en STR, à part Age of Empire et... Command & Conquer, Warcraft, y a quoi d'autre? Starcraft. Non, j'ai pas joué à celui que t'as dit. On a joué pas mal par contre. Par contre, j'ai entendu Glorfindel. Alors, c'est pas que je t'aime pas Glorfindel, mais je sais que t'es un BG. Et voilà. Glorfindel, il me fonce dessus tout droit, il perd pas de temps. Ça va sûrement me poser problème, ça, je reconnais. On va faire une terre un peu gelée. Bon. Toi, t'as intérêt à tuer le roi sorcier. Et mes renforts, ils arrivent quand? Avant que ce soit pas mes renforts, mais du coup, les méchants. Il ne résiste pas à ma puissance. Allez, on tue Glorfindel. Ah ouais, ça a rien fait du tout. Ça, est-ce que ça fait quelque chose? Ok, Glorfindel se fait déboîter. Oh, j'ai jamais vu un Glorfindel se faire déboîter autant. Si, face à un Balrog. Un certain Balrog. Bon, c'est pas la joie hein, non plus. Hein. Pas l'impression qu'on est en train de gagner. Je sais pas. J'ai l'impression que ça tire, mais pas trop non plus. Oh non, le roi sorcier qui va encore mourir. Est-ce qu'on se replierait pas un petit peu au troisième niveau? Juste le temps de reformer quelques troupes. Dans le style, je te conseille fortement, il est très spécial avec un côté RTS, Perse, Égypte, Grèce, où tu peux passer la troisième personne pour diriger les armées. Oh, ça c'est vrai que c'est original. Ouais, bah c'est vrai qu'au niveau RTS, la mort est un autre chemin. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Ça c'est le meilleur pouvoir des spectres, vous allez voir pourquoi. Bonne journée à toi, Faustea. Bonne...
bonne envoi de d'enfants à l'école. Mais je trouvais pas la bonne tournure de phrase. Donc là, regardez, normalement je vais les transformer en spectre. Ah non, ça fait pas le pouvoir des spectres, ça? Ah bah j'ai dû faire le mauvais. Oh bah c'est pas grave. J'ai l'air d'avoir réussi la défense. Glorfindel est mort. Et c'est la victoire. C'est bon. Victoire. Et les Légions d'Angmar. Je pouvais dire bientôt. Bravo. Cinématique. La ruse du roi sorcier n'a d'égal que sa cruauté. L'arrivée au moment opportun de ses lieutenants a évité l'anéantissement de son armée. La couronne de fer a souffert de cet assaut. Mais en gros, j'ai pas vu Karndoum. Il lui faudra du temps pour retrouver sa puissance. Peut-être suffisamment pour qu'Arnor renaisse. Oh non, pas Arnor. Un sorcier ne laissera pas une telle chose se faire. Ça, c'est vrai. Bon, en tout cas, on a réussi cette mission. Elle a duré 26 minutes. On n'enchaînerait pas avec une deuxième mission en même temps. Comme ça, il y aurait deux missions. Sinon, ça va encore faire durer trop... Enfin, la vidéo sera pas assez longue, donc... on va faire une deuxième mission d'affilée, donc c'est parti. On enchaîne. Tour 8. Et c'est peut-être la dernière mission, donc autant en profiter. Ah non, c'est l'avant-dernière. Oh non, c'est chez les Hobbits. Non, The Barrow Down. C'est les Galgal. Encore les Galgo. Les Galgi. Desecrate the tomb of Arnor to summon powerful undead. Ah ouais, c'est pour ça que j'avais pas le pouvoir des morts. C'est parce que c'est dans cette zone qu'on va réveiller les morts. A real time. C'est parti. Nous allons affronter Karten. Il va devenir un certain personnage B. Angmar. Voir un Rogash en live action aurait été impressionnant et stylé, je pense. Oh, un Rogash. Oh, ça serait vénère, hein. Non, mais en vrai, franchement, il se base sur l'avènement du roi sorcier pour faire une série ou un film. Il y a vraiment moyen. Il y a de l'action, il y a de la politique, il y a... Pour les âmes de ceux qui ne sont plus, et de dresser cette terre tout entière contre les derniers fils d'Arnor. Nos sorciers doivent absolument se placer sur les sommets. Et si se base vrai. Qui se trouve en dessous. Mais le temps presse. Mais le temps presse. Il nous faudra être maître d'un maximum de sommets pour accomplir le rituel avant qu'un nouveau. Ah, c'est le fameux rituel, c'est le fameux rituel. Ah, c'est la mission un peu de mort où faut. Ou bien gérer quoi. En rang pour la victoire. Donc là, objectif, prendre les tops tout simplement. Alors je vais faire ça, je vais faire... Le rituel a commencé sur un sommet. Du coup je suis obligé de faire un temple en fait. Le sort gel des âmes. Donc là j'ai un héros qui s'appelle Gulzer. Bah du coup je vais essayer d'attaquer eux. Juste que je vérifie qu'ils m'attaquent pas en fait. Juste que je vérifie qu'ils m'attaquent pas. Normalement ça devrait le faire. On a bien eu un Balrog, pourquoi pas un Rogash? Oui, bon, écoute, hein, c'est... On peut tout avoir, hein. Envoyez une demande de renfort. Ok, le maître a été déchu. Le voyage n'est pas encore... Ok, alors attendez, on va les geler. Ah! Oh bah non, c'est pas cool ça. On sait, ils attaquent notre sommet, non? Pas d'accord. Ok, c'est bon. Les âmes corrompues augmentent. Est-ce qu'on n'irait pas prendre les petits... outposts? J'ai un plan. On a tous un plan, c'est parfait. Faut pas que je perde de... Le truc c'est que je peux pas engager beaucoup de troupes, hein. Il faudrait que j'augmente ma limite de pop. Et les gars, pourquoi vous y allez? On fout. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Mes serviteurs sont faibles. J'arrive à prendre un maximum de trucs là. Je sais ce qui m'attend. Ok, bon. On va en ramener un. Qu'est-ce qui se passe? Nous attendons les ordres.
J'ai cru que je m'attendais. J'étais attaqué. Non, je suis pas attaqué, hein, c'est bon. On va aller prendre ça. Ah, mais du coup, j'ai pas pris. J'en ai pas laissé un, je suis le pire. Ok, ça, bientôt niveau 2. Ah! Ah, ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Alors, on va essayer de défoncer ça. Appelez des renforts! Envoyez une demande de renfort! Nous allons prendre ce cerveau, les ténèbres. Non, 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 c'est un prank, c'est un prank, c'est un prank. La mort, la mort, le pouvoir. Possible d'avoir des renforts ou. Ou c'est trop demandé là? Faites ce qu'on vous demande, plus vite, ou c'est la massue. J'ai un plan. J'ai un plan. T'aimerais voir quoi comme perso de l'avènement sorcier en live action, tes préférences, tu veux? Ah, le roi sorcier, forcément. Je pense qu'il faut avoir la touche un peu peut-être féminine. L'archère, en vrai, l'archère est plutôt en raccord au final. Après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir Bah, Karch, en vrai, l'histoire de Karch avec Karthen est folle, hein. La mort est mon pouvoir. Allez, on les défonce, on les défonce. Aïe, aïe, la cavalerie. Je sais. Continuez, fainéants. Faites-moi confiance. Pas très sympa d'attaquer nos moulins. Bon, on est pas mal en vrai, je pense. Oh punaise, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Karthen, ça je reconnais. Vous avez déshonoré les âmes de nos pères quand vous étiez au sommet de ces terres sacrées. Je ne peux supporter davantage votre présence impie. C'est moi, la la la. Et ouais. En voilà d'autres. Pas sympa, hein. Occupez-vous de ça. En marche. En marche, en marche. Et ça, je peux pas le faire parce que j'ai pas le bâtiment. Ah, attendez, on va faire le bâtiment. Karch serait cool en vrai. Ouais. C'est lequel déjà, c'est ça. Je dois à tout prix rassembler plus de force pour éliminer cette vermine de ces terres. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, par contre, l'abus, les flèches là. Ça devrait supprimer. Oh, ici, il se pomplaise. Je viens commander. J'ai un plan. J'ai plus d'hommes, moi. Je peux fournir des esclaves à commander. Qui vais-je mettre sous notre bannière? Nous avons un nouveau. Quoi, je peux pas le faire? Unlock Wolf Rider. Oh, c'est un prank, je peux même pas les faire. C'est au niveau 2. Bon bah je vais faire ça, hein. Oh, les relous. Eh oh, ils sont relous avec leur cavalerie en vrai, hein. Calmez-vous, calmez-vous, ça va bien le faire. Oh là là, il y a des renforts qui arrivent. C'est génial. Le choix est clair, mes amis. Oh, punaise. Oh non, 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 non. Je suis pas d'accord, là. Bah oui, j'ai remarqué, ouais. C'est d'en prendre un nouveau et je me fais attaquer. Ouais, ça va pas du tout là. En vrai, cette mission elle est pas si simple, je trouve. Hein. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de renforts en plus. L'Arnor, évidemment, ils sont forts. C'est bon, je crois que j'ai la cavalerie pétée. Ça devrait le faire. Voilà, c'est bon. On peut fournir des esclaves à commander. Attendez, on va essayer de reprendre ça. On va refaire des mages. Tac, tac, tac. Bon, ici, tout le monde est mort, évidemment. Non, ça va. Ah, attendez, sac. L'un de nos sommets est attaqué. Ce sommet est à nous. Commencez le rituel. Ne répondez pas, misérable. Hop. Donc là, on va envoyer une unité de mages là-bas. On va aller reprendre ça.
Ici, on va reprendre ça. Nous sommes l'âme d'Angmar. Ah bah ici, celui-là, on peut le prendre, tranquillou. Le rituel a commencé sur un sommet. Oui, nous contrôlons le sommet. Ici, on va les massacrer aussi. Je sais pas pourquoi je fais des trolls, ça n'a aucun sens. Alors, en vrai, faut que j'arrête. Faut que je fasse juste les améliorations. Hein. Vous allez bâtir pour la couronne de fer. Vous allez bâtir pour la couronne de fer. Ok, donc là je peux faire un nouveau rituel ici. Et je peux envoyer potentiellement des hommes là-bas. Oh, calmez-vous, calmez-vous, allez pas trop loin. Pas le moment de ramener des armées. Ici on est bien, ici on est bien. Lui, le mec, il est tout seul sur sa montagne là. Ça, ça a été pris. Ici, c'est protégé. Bon. Où j'arrive à protéger toutes mes terres. Comment ça se fait qu'ici ça marche pas? À travers la pénombre. Pourquoi ici ça marche pas? C'est bizarre ça. Comme ici ça me dit que... Bon ici c'est normal mais... Le rituel a commencé sur un sommet. Le rituel a commencé sur un sommet. C'est bon, je suis bien là, je suis très très bien. Oh, une unité de cavalerie. Nous sommes assaillis. Nous avons besoin d'aide. Mais non, t'as pas besoin d'aide, tout va bien. Écoutez-moi. J'attaquerai le dernier truc après. Juste que je ramène des unités. Et que je refasse des spectres aussi. Mais ici, ça me rend fou. Pourquoi ça marche pas? C'est bugué? Le voyage n'est pas fini, mesdames et messieurs, il n'est pas fini. Allez, on va défoncer eux. Hop. Voilà, ça c'est fait. Là. Là, on va directement ici, on perd pas de temps. On va juste envoyer potentiellement une unité de mage là-bas. Et là, on croise les doigts pour pas qu'on se fasse attaquer dans tous les sens. Sinon, ça va être terrible. Oh non, ils attaquent forcément l'endroit où il n'y a pas d'unité. Non. Et que font-ils? C'est bon, je les ai touchés. J'avais dit que j'avais bien fait de faire des loups. J'ai bien fait faire les petits loups. Oh non, la cavalerie qui est encore arrivée. Je les déteste. Et là, il y a aussi une armée. On va essayer d'emmener eux là. Bah, c'est ça le problème, c'est que s'ils détruisent mon sommet, là, je suis dans la panade. Encore une fois, j'ai plus rien. Je comprends pas. J'ai un plan, faites attention. Bon bah on va en faire une armée hein. On va refaire des petits loulous. On va améliorer ça. Je peux pas faire de héros de toute façon. Hop. En fait c'est à peu près toutes les 2-3 minutes, il renvoie une unité attaquer les... Et là le problème c'est qu'il y a des piquets donc je peux pas les... Je peux pas les attaquer comme ça. Mais ils suivent de moi ces orques. Hein. Le choix est clair. Il faut que je refasse les petits hommes sorciers. Petit loulou, on a besoin de vous. Pour tuer ces maudits lanciers là. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Ensuite... Vous, allez là. Et là, il me faut des sorciers pour après. Angmar doit se fortifier. Des petits loulous, des petites cavaleries. Bon, écoutez, allons-y, allons gaiement, en chantant. En vrai, j'ai bientôt le super loup, donc autant en profiter.
Hop. Plus qu'à ramener des petits sorciers, c'est bon. Oh non, mon armée est déjà full. Bon bah c'est pas grave. Genre les loups, ils ont gagné contre l'unité. Bah trop fort en vrai. Ah c'est peut-être parce que c'est un bâtiment de défense aussi. Voilà, ça doit aider effectivement. Et bah voilà, on a défoncé tous les tertres. Maintenant, il faudrait que j'arrive à avoir un sorcier partout, mais le problème c'est que j'ai pas assez de... J'ai pas de pop. Donc quand il n'y a pas de pop, vous faites cette amélioration là. Et cette amélioration là que je ne peux pas faire. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Ready for battle. Là, il y a des hommes là cachés. Des dedans là, cachés dans. Oh punaise! Ah, il n'y a pas qu'un de nos sommets, hein. Tous les sommets sont attaqués, j'ai l'impression. J'ai un plan. Inclinez-vous. Ne répondez pas, misérable. Il y a des ordres. En avant. My sword is yours. J'ai l'impression que ça va niveau. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez de sorciers. La bataille fait rage. Pas du tout assez de sorciers. Un truc de pop qui arrive un peu tard là. Taisez-vous, vaut rien. Dommage qu'il n'y ait pas des nouveaux sorciers qui pop là. Il faut bien y avoir des petites unités dans les montagnes. Arrêtez de faire des unités, arrêtez de faire des unités. Ah, j'ai pas de pop. Je peux pas en refaire. Est-ce qu'on peut tuer des unités? On peut pas en tuer. Ah si, là je peux. Gandor, bah désolé les gars, on va vous suicider. Peut-être pas les piquer, mais au moins le reste. Alors pourquoi je laisse des unités ici? C'est parce que j'ai l'impression qu'on se fait attaquer que de là-haut. Bon là, on va récupérer pas mal de troupes. Je suis Kartaen, capitaine d'Arnor. Hop, c'est bon, on a récupéré pas mal. Ah, j'en ai même pas assez. Gandor! Bon bah... Ah! Kartaen est de retour! Kartaen est de retour! Pour vous jouer un mauvais tour! Allez, on envoie les loups! Les petits sorciers qui puent, on les envoie aussi, ça doit prendre de la pop, je suis sûr! Il me faut juste des sorciers, hein. C'est vraiment mon seul objectif quoi! Ah, il a fait une nouvelle flèche. Ah, plus stratégique. Il va mourir, non? Si je le tue, c'est fini, non? Il va y avoir une dernière débâcle, non? Ah non, mais de toute façon, je peux plus le cibler. C'est bon, je peux en refaire? Oui, je peux en refaire. Alléluia. Oh les saligouins. Faites ce qu'on vous demande. Toujours une cavalerie qui traîne. Bah point, 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 point. Attendez, je vous propose que eux ils aillent là. La lumière. Eux ils aillent là. Là on se fait attaquer forcément. Oh non 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 non. Sérieux ça? Oh les relous quoi. Ce sommet est à nous. Commencez le rituel. Je connais. Le rituel a commencé sur un sommet. Servons les Hop. Mais ce rituel là, il est bugué, j'ai l'impression. Ce sommet est à nous. Commencez le rituel. Là, tous les sommets sont à nous, hein. Ça devrait aller assez vite. Je crois qu'il faut qu'on arrive à 1000 et c'est gagné. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'unités, hein. Ils attaquent nos moulins. Ils attaquent nos moulins. C'est bon, ils ont été anéantis. Est-ce qu'ici ils ont réussi à détruire mon bâtiment? Ouais, ils ont quand même réussi. Hein. Et ici, ils ont quasiment réussi à le détruire. Ah! Et sans compter sur les petits soldats ici.
Cette mission est l'une de mes pires dans la... Oh ouais, franchement... Mais les campagnes d'Angmar sont pas si simples. Hein. Alors c'est toujours des trucs un peu tricky où faut faire gaffe. Mais bon, on a réussi. Partez, ordure. Jamais je ne vous laisserai corrompre l'esprit de nos rois. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Aura été un adversaire courageux et résistant. Plus qu'honorable, ce capitaine. Bienvenue dans les montagnes. Merci beaucoup pour le follow, mon cher. En achevant le rituel avec son arme. On va le défoncer. Il a déjà midlife. Ah, je vous ai dit, il va pas faire l'enfeu, hein. Ah ouais, il est même pas mort. Ah non, c'est parce que je vais pas tirer dessus. Attendez, il est où? Je suis perdu, moi. Il est où? Ah, cinématique. Suivez-moi. Oh, c'est trop stylé. J'adore. Vous ne me faites pas peur. Vous pouvez juste me tuer. Oh, il est mort. Il est capote, le monsieur. Le silence. Le châtiment de cet homme est exemplaire. Son dévouement durant sa vie n'aura d'égal que son dévouement dans la mort. Dans la mort. Laissez donc son âme torturée hanter les chefs de nos ennemis. Je le sais. Oh, il y a un rollback. Point. Comment ça, la chaise? Et j'ai pas parlé pendant une demi-seconde. Chaise. Tout de suite. Cinématique. Bien qu'il ait combattu avec un courage rarement égalé chez les hommes, le jeune capitaine d'Arnor connaît un sort pire que la mort. Et aujourd'hui, il sert la couronne de fée. Le redoutable fléau qui a frappé Angmar s'est répandu partout. Il a touché le cœur d'Arnor et a affaibli la défense déjà fragile des Dunedain. Mais le roi sorcier ne sera satisfait que lorsqu'il verra Arnor enfoui sous les corps et le sang de sa jeunesse. Le sang de sa jeunesse. Eh ben écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était la résurrection de Langmar. On a pris les hauts des Galgal, on a récupéré leur capitaine Carten, et là on va tout simplement partir à l'assaut de Pornost, hein, leur dernière cité. Donc moi je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi, au revoir et abonnez-vous.